We adventure together again. Except this time, I am afraid the circumstances are much more dire. Once, the Titans used these life. Donc ça, bien sûr, on skip, hein, ça a rien de les faire. Allez, Immersus. Très chiant pour pas grand chose. Immersus, attendez, il y a quoi dessus? Resto, donc ça j'ai pas. J'ai. Ok. Et Guardian. Ok, donc c'est bon, je suis en bonne spé, je suis en spé heal. Il y a une cape au pire à choper. Allez, go! Le but c'est d'en tuer le plus possible. Sans ce boss il est long pour rien. Je crois que c'est 10 fois qu'il fait un truc comme ça. Ou je sais plus, 100% de PV. Dans tous les cas, faut pas le tuer à 100. Enfin, il meurt avant d'être à 100% de PV en moins. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, bordel de merde. Immersus, tellement chiant. Bah, en même temps, quitte à jusqu'au parangon, autant tuer Garrosh. Hein. Ça donne toujours une chance d'avoir la monture.
Allez, ça serait bien qu'il meure vite. Ouais, encore. Je crois que c'est à 30 qu'il meurt, ou je sais plus. Meurt pas, c'est 35, c'est 25. Oh là là. Ou c'est 10 fois, je sais plus, y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Ok, par contre, c'est chiant qu'on a qu'un item. Donc, ensuite, Fallen Protector, donc c'est bien en heal. C'est bon. J'ai mis 13 minutes pour le... Non, j'ai mis combien de temps pour le tomber? J'ai mis 6 minutes. Oui. Voilà, le fun va être présent. Putain, je les ai eus. Oh là là, ça c'est fait, enfin. Parce qu'on a que un loot, hein. On a que un fucking loot. Donc ça c'est bon, j'ai chopé ses épaules. Il me reste cette cape. Non, ses jambes. Alors ses jambes. Ses jambes. Elles tombent sur... l'éclaxie. Alors l'éclaxie, s'il te plaît, le jeu. Ne me fais pas faire tout SO chaque semaine juste pour aller au Clexi.
astounding. Another chamber that looks to originate from these titans. It must have been hidden away long before recorded history. And with good reason. Lui. Donc. Nohushen. Y'a quoi? Ouais, les bottes, j'ai pas. Les gants, j'ai pas. Ouais, on va partir sur les bottes, ça évitera de changer de spé. Should you pass this door at this time, you would fail. You, all of you, are corrupted with the insidious plague known as pride. You stand tall and proud atop your accomplishments, and this will be your downfall. Should you wish to defeat the corruption, you will first need to purify the corruption within yourselves. Speak to me again when you are prepared to face your inner demons. Donc on va lui parler. Hop, il va nous faire affronter du coup une bébête. Allez. Ok, je dis déjà, c'est pas grave. Allez, mourez, bête de merde. Voilà. Steal your hearts and prepare your souls.
Lui, il va se faire démolir, de toute façon. Voilà. Par contre, le torse on s'en moque, le bâton, la tête on s'en moque pas. Donc tête en resto et en gardien. Ok, y a rien. Donc on va aller chercher la tête, si possible. Et non, c'est le trinket. Sylvanas and I have both sent ships to support Vol'jin's revolution. I'm warning you, Lorthamar. The Alliance is besieging the city, and we will destroy Hellscream. Your people had best stay out of our way. It is always a pleasure to see you, Lady Proudmoore. Champions, come with me. It's time to settle grievances with our... As Regent Lord of Quel'Thalas, I will defend my Bladefist Bay is fortified. By the Sunwell, we're getting slaughtered. Tellement long ce raid. Port over to the docks and take out their shore defenses. Put a stop to this bloodshed. I can raise your dead, Regent Lord. Your rangers can fight again. Sylvanas. Voilà, parfait. Merci. On avance. Ah merde, j'ai oublié d'activer les bombes. Enfin, j'ai activé celle-ci. Ah, mais. Toujours focus le healer. Hein. Allez, hop. D'ailleurs, normalement, demain aussi, j'uploaderai les... il me reste quelques entrées de donjons, quoi. Je crois que j'ai pas encore upload. Il me reste pas beaucoup, façon, à faire. Il me reste les entrées de donjons, du coup, à upload. Il me reste... la bataille du jour d'hiver à faire solo. Que normalement, j'ai en VOD. Il faut que j'upload. Là du coup faut savoir aussi que je mettrai normalement ce petit raid là SO disponible en VOD. Pas le premier, je mettrai pas ce que j'ai fait en début de partie. Enfin du moins pas en VOD bien séparé. Mais vu comme là je fais un full clean. Alors quoi que je mettrai peut-être Tot aussi en VOD, je sais pas. Dans tous les cas, ils seront pas visibles dès aujourd'hui, puisque le temps que YouTube les encode et tout, voilà, que je vérifie que tout a bien fonctionné. Et sinon, ça devrait arriver d'ici demain ou après-demain. De toute façon, c'est pas le genre de contenu qui va intéresser la majorité des gens, mais ça peut toujours aider quelques personnes dans le besoin. Donc là, petite astuce, en fait, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'en haut là, il va y avoir des PNJ, et il faut pas qu'ils meurent. Faut pas qu'ils meurent parce que c'est eux qui aident autour.
Et par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux le faire descendre au bout de la première tour? Parce qu'on s'est rendu compte, quand on l'a fait la semaine dernière, qu'on pouvait taper deux fois avec le canon dessus et que ça le faisait tomber avec le même canon. Donc vous voyez, vous vous mettez là. Alors si vous êtes caster, hein, bien sûr, si vous êtes mêlé, autant vous dire que le combat sera un peu différent. Voilà. Là, le truc, c'est qu'ils se sont barrés. Donc ce qu'il faut bien penser à faire, c'est soigner soigner ces personnes-là. Voilà, ça coûte rien. Donc si vous avez des bandages ou autre, je sais pas si je peux pas le taper d'ici. Faut que je teste. Donc les ads arrivent. Hop. L'autre en haut il est dot. Donc c'est bon, on va mourir. Il faut également soigner cela. Le temps qu'il fasse la porte. Android en fait c'est assez simple. Hein. Vous soignez un peu tout le monde, vous soignez aussi. Hein. La question c'est est-ce que je peux le taper? Non, je crois qu'il est orange. On va y avoir les ads qui vont spawn. Le truc c'est que il va y avoir la tour, les chars en même temps. Vous voyez là la tour est bonne. Donc maintenant c'est le moment d'aller sur la tour le plus vite possible. Cédric, il m'énerve à chaque fois pour viser, donc du coup je les bute. Ça prend 2 secondes. Le char, je peux pas le dot. Putain. Ok. Lequel il me reste? Ah putain, mais là. Galakras, il est où? What? Il est où? Là. Caméra. Et caméra, le trait. Oh, le viseur. Bon. Ok. Je peux pas avec celui-ci. Ça me saoule, je me fais par ma stun. Je vais le faire avec l'autre, c'est pas grave. Je voulais tester, mais j'ai l'impression que je peux pas trop. J'arrivais pas à viser avec celui-ci. Je vais faire la strat classique, hein. Je sais pas si je peux brute force la phase avec. Dans tous les cas, si vous voulez que le combat soit rapide, surtout faut pas que c'est de la meurtre. Parce que sinon, il va y avoir d'autres rats qui vont spawn et tout pour aller ici, ouvrir la porte, ainsi de suite. Par contre, c'est Drake, je peux pas taper les. Je peux pas les tuer d'en bas. Ouais. Peut-être en montant là, je vais tester en montant là. Enfin, dans tous les cas, la tour va être défendue. Je vais quand même attendre parce que les ads vont spawn.
Est-ce qu'on peut monter là pour juste taper? Non, je peux pas. Putain, je perds tellement de temps sur les boss comme ça. Ah si, c'est bon, là je peux taper. Putain. Ah, par contre, pouvoir les clean d'en bas, c'est tellement bien. Ok, la tour, c'est bon. Par contre, il y a les ZAD en bas. Donc là, vous êtes obligé de redescendre. Sécure vos ZAD. Parce qu'il y a le char, il y a tout. Ça vous prend pas longtemps. Mais il faut le faire. Faut le faire parce que là, du coup, maintenant, vous avez le temps de remonter proprement. Tac. De tuer ces deux-là. Prendre le canon. Le toucher une fois. Deux fois. Et la carte arrive. Il n'y a plus qu'à descendre. You do realize we are directly below it, right? Par contre, du coup, j'ai pas regardé en quel spé fallait que je me mette pour Galakras. Resto, il y a rien que je need. Guardian. Guardian, il y a des mains. Galakras, normalement, arrive. Il met juste une plombe. Voilà. Donc là, le but par contre, c'est d'éviter qu'elle passe dans le raid. Voilà, il est mort. Et on a eu nos mains. On est quand même pas trop mal chanceux sur ce coup-là. On a eu les mains. Tac. Delete, tac. C'est pas des mains que je vais équiper, hein, si vous voulez, c'est pas des mains de 7 ni rien, mais bon voilà, ça fait toujours de la transmo gratuite. Ah par contre, elles ont compté. Non, je les avais déjà. Manquait la cape. On fait le tour. Les jambes. Pas la cape, les jambes. Donc le prochain Iron Gurnot là, les épaules je les ai pas, poignet j'ai pas, donc ça en gardien on est bon, on a deux items. Allo, chez la griffe elle me plaît bien par contre. Je pense que je vais aller chercher la griffe plutôt. Je vais aller chercher la griffe. Et j'ai juste espéré que par contre que Nazgrim ne bug pas. Donc lui il faut le bourrer, hein, c'est tout. Éviter de prendre le plus de dégâts possible dès le départ parce que à force les dots là. Ils vont vous faire mal. Vous voyez, ça commence à piquer. Mais il est mort. Par contre, les dots, eux. C'est pas de chance. Ouais, les dots, faut pas qu'on meure. On
Voilà. Donc là, on va se re-soigner. Fufu. On va tout skip. On va aller directement au boss. Parce qu'on n'a pas le temps. Faut qu'on avance. Là, vous gagnez beaucoup de temps. Là, on va soigner. Tac. Là, on les bute tranquillement à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Au début, je pensais que ça allait poser problème, ces boss, mais au final... C'est un peu le bordel, je sais pas ce que va donner le bitrate par contre de l'encodage, mais bon. Voilà. Ah merde, j'ai pas radé pour les loot, putain. Il y avait quelque chose, une idée dessus? Ouais, la main gauche. Ouais, il y avait plus de loot, il y avait plus dans l'autre aspect dans tous les cas, ça a rien donné. Il va nous rester du coup Nazgrim. Hop. Il est long. Hein. Franchement, voilà, vous voyez, il est assez long. Donc Nazgrim, en gardien, il n'y a rien. Et en heal, il n'y a rien non plus. Je vais essayer de le taper moins fort que la dernière fois. La dernière fois, j'avais tapé un peu trop fort et du coup, ça avait posé problème. Ça, en fait, j'avais pas eu les loot, je pouvais pas cliquer sur le cadavre. Je crois qu'il nous détecte après, par contre, les trash. Ouais, c'est ça. Là, vous avez des trash qui détectent. C'est pas grave, on les tue. Hop. On se refufu. Là, de mémoire, il faut en tuer. Ah, ok, d'accord. Bon, faut les tuer. Faut les tuer, ils sont... Ils étaient chiants, hein. Eux ils étaient chiants parce qu'ils étaient tout le temps en train de soin. Là comme vous voyez il y a plein de trash. Pour éviter du coup d'avoir à tous les faire, vous poulez Nazgrim. Vous sortez vite, comme à l'époque, hein. Ça n'a pas changé. Vous faites reset. Je crois qu'ils reset aussi eux. Ou plus. Je sais plus. Pire, on les tue, c'est pas un problème. Des fois, on perd plus de temps à vouloir les reset qu'à les tuer. Sound muted. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, je sais. Voilà, le temps que ça renclenche le disque dur et tout, c'est relou. Alors, Nazgrim, faut le tuer moins vite. Sound muted.
On va le descendre quand même. Peut-être qu'il faut attendre qu'il fasse ses ZAD. On va attendre qu'il fasse ses ZAD. Voilà, il a fait une capacité, normalement ça devrait être bon. Hein. Ok, donc les ZAD ont spawn. Je te jure, si j'ai pas mon loot avec tout le temps que j'ai attendu là... Et non. Nazgrim est full bug. C'est relou. C'est relou. Oh putain, j'ai pas pu passer. J'aurais dû sauter plus tôt. Bon, putain, il est... Pardon, excuse-moi. Il est 17h44 déjà. Là, 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 là. Faut que ça avance. Parce qu'il nous reste des boss, hein. Il nous reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 boss, hein. Donc ils sont beaucoup plus proches, c'est pas le souci, mais... Donc là par contre, je vais pas perdre autant de temps que la dernière fois, je vais clean. Parce que je sais plus si les leviers, il fallait les clean ou pas. Dans tous les cas, on va clean, ça sera fait. J'ai pas envie de devoir attendre à nouveau le levier. Normalement on peut les skip, hein. À l'époque on les faisait pas tous non plus. Donc lui c'est pareil, on va le burst, on va quand même commencer full vie. Le petit transfert pour éviter les dégâts de chute. On lance aucun. Donc là j'ai plus mon transfert. Hop. Foutre une écorce. Parce qu'il faut savoir que ce boss met un debuff. Enfin pas un debuff. Il vous met un. Tiens, debuff de shield. Et en gros, il faut absolument soigner plus que le shield marqué. Transfert, on évite les dégâts de chute. Et il meurt. Voilà. Il y a quoi à loot dessus par contre que je fasse pas. Malkorok. Cap, on en a besoin. Poignée, on en a besoin. Bot, non. Main, non. Non, non. Ok, donc on est la bonne loot. Bague, on s'en fout. Continue, tac. La deuxième partie est plus rapide. Vraiment plus rapide. Il y a juste un G qui est un peu... qui est un peu relou parce que t'as... Il y a les vagues de trash à attendre, on n'a pas le choix.
Ouais, le levier est là, mais il n'est pas activable. J'espère que je me suis pas planté. Faut juste buter eux. Dis-moi qu'il faut juste buter eux. Ouais, c'est bon. Le butin de Pandari, il est long, moi aussi. Bon, ça, on peut tout skip. C'est ça, on peut tout skip, là. De mémoire. C'est pas Locke. Non, c'est pas Locke. Ouais, ça... Ah putain, ça aggro tout. Je me suis mal placé. C'est pas grave, on va les tuer. Ça va nous débloquer les réparateurs. Donc le butin de Pandari. 4 zones. Faut clean les 4 zones. Il faut bien attendre que le comment ça s'appelle, la réinitialisation en haut soit faite à chaque changement de phase, sinon vous faites one shot. Oui, oui, Force Yard, oui. Ok, on descend. Et là. Oui. Le jeu? Ah. Je peux pas cliquer dessus? Ah. J'ai une coupure internet? Reload. C'est quoi ce délire? Ouais, ok. What? Je peux pas me reco? Ah, attendez, je chante de me reco à la mano. Mais ça fout un peu tout en l'air. Putain, Blizzard. Ok, j'ai plus mon roco là déjà.
Bon, déjà j'ai plus mon gros cours. Ensuite, on va vous remettre haut le fichier. Je suppose que mon truc de Pandarie est foutu. Hide. Reste combien de timer? Tant pis, je vais mourir, je vais le refaire. Ça va me one shot, mais tant pis. Ah, mais c'est censé one shot. Bon, on va attendre les 54 secondes. Ça m'a gavé! Que jamais je le finis en 30 secondes. Ça tombait sur le pire boss possible en plus. Voilà, c'est super, on respawn en plus à perpète. J'ai quand même demandé si les autres ont une déco. Ah, il y a que moi qui ai eu la déco. Okay. Voilà, bon, moi ça va plus vite. Je peux cliquer, donc ça c'est bon. Allez, on avance. Un petit coup de soin, c'est gratuit. Allez. C'est bien long. Ce raid est bien long. Hop, on pose nos bombes. Ça n'a pas changé. Caisse. Allez, la grosse caisse et ça devrait être bon. Non, pas les bombes. Ok. Donc là, faut bien, attendez bien surtout qu'ils disent reset complet parce que sinon one shot. Ok, parfait. Donc là, on peut monter.
Ça flash bleu, le Big Wigs il flash bleu. Oui. Allez, les grosses caisses. On va faire la dernière grosse caisse et on est safe. Voilà. On active. Là, on n'a pas besoin de traverser et ça, c'est bien. Oh purée, j'ai failli cliquer sur le crochet. Et surtout à ne pas faire. En plein trail. Ah, il m'a posé des bombes, c'est pas grave, on les spam. Je sais même pas si ça one-shotterait encore. Si jamais on les posait pas, dans le doute. On fait la strat. Grosse caisse. Ouais, il y a deux caisses là. Ça devrait suffire. Voilà, parfait. On n'a plus qu'à attendre la réinitialisation là. Parfait. Et faire le dernier quart. Ensuite, il nous restera, mais du coup, toc. Un G, butin de Pandari. Et Garrosh. Allez, fini ton speech. On va bien attendre hein, que ça soit fini. Je préfère sécure. Trop de one shot pris de manière inutile. Et le combat est un peu long. Butin de Pandari, il est loot. Butin de Pandari, loot. Ça on est pas, ça on est pas. Les bottes, ok, les bottes en Guardian. Les bottes en Guardian. Hop, c'est parti. Non, ce sont les jambes. Hop. Eh ben tant pis. Du coup, on va faire Toc. Alors Toc, c'est une blague. Hein.
Shocker! Get that thing under control! Normalement, donnez-moi, c'est dès que je poule un ad, il meurt instantanément. Ouais, c'est ça. Tac, le boss. Go. Chaque fois il me lock en plus un élément. Toc, toc, y'a quoi à loot? Toc, 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 toc. Sans need, sans s'en fout. Donc il y a un item en guardian. En resto, c'est parti. On a le casque. Le casque, je crois que je l'avais déjà. C'est pas grave, dans le loot. Ouais, je l'avais déjà. Ça me l'a mis où par contre mon casque? Tête. C'est où? La tête, ici. Et le casque, ça, je délète. Et ça, je délète. D'ailleurs, la tête de Mogushan, je me souviens plus trop. Ah, je l'ai eu. T'as si elle est fun. On va faire du coup l'ingé. Après il y aura le butin de Pandari. Et j'espère vraiment que le butin de Pandari va me donner cet item. Parce que, bon certes, je veux la monture aussi de Garrosh, mais j'aimerais bien ne pas avoir à faire ce raid toutes les semaines. Oui, je sais, j'ai une mine qui me target. C'est pareil, l'ingé, il va se faire ouvrir. Hein. C'est très très simple à faire ce raid, globalement. J'ai été trop tôt par contre. Non, c'est bon? C'est parfait. Merde, j'ai loot trop tôt. J'ai loot beaucoup trop tôt.
C'est pas grave. Ouais, il y avait les poignets que j'aurais une idée. C'est pas grave. Donc parangon. Parangon, les jambes. Donc le meilleur moyen d'avoir les jambes, c'est en féral. Guardian, féral. Donc autant vous dire qu'on va se mettre en butin guardian. Et on fera quand même garoche, hein, parce que bon voilà, on se paye tout le raid, autant avoir une chance de choper la monture. Le cristal qui est juste en dessous du... Hop. 12 minutes. Lui il est mort. De toute façon on y va en full mono. Il est en ambre. Voilà. On va quand même le finir parce que sinon c'est chiant. Ah. Non, non. Ok, le poison, le poison. Je sais plus lequel c'est qui me défonce comme ça à chaque fois. Ah, The Poisoned. Non, non. Ok. Non, lui va me saouler, lui va me saouler. Faut qu'il meure vite. Non, mais non, mais non, 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 non. We
Fuck my life. Putain, j'ai pas focus les bons. Et je respawn à perpète. Oh. Faut que je focus ce qui est nos cacs. J'ai oublié ce détail. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on commence full vie. Tac. Donc lui vient au cac. Donc déjà mon gars. Voilà. Ensuite lui, tu lui viens au cac. Je te défonce aussi. Lui viens au cac. Ok. Tellement plus simple quand on focus ceux qui viennent au cac. J'ai merdé le premier pool, c'est tout. Jambes. Donc token jambes. Le plus simple c'est Feral. Feral ou Guardian. Guardian c'est pareil. Là-bas. Allez, dites-moi j'ai jambes. Allez, putain, nice. Nice, nice, nice. J'ai eu deux au fait. Ok, ouais, donc ça c'est bon, j'ai eu deux au fait. Tac. On est bien. Du coup, c'était le design qui est pas top top quand même, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, donc c'est ce design là. On a fini. Par contre, le SO, on a rien drop. Hein. On a rien drop pour cette semaine. C'est un peu la misère. On a la transmo de The Bilamouche. Je veux juste pas aggro. Parfait. Et là, en termes de loot, qu'est-ce qui m'intéresse sur Garrosh? Ça, j'ai. Ok, heal. La main gauche. C'est moche, mais c'est comme ça. Et la monture, cette putain de monture.
You are an orc no longer, and speak for none but yourself. You betrayed our people to forge your fragile alliances, and I will take great pleasure in tearing them apart. Then you have forced my hand. I will correct the mistake I made long ago. Spirits of the wind, the earth, the water, hear my call! Come to my aid! Fool! My dark shaman have twisted and tortured the elements for miles around. They cannot hear you now. Once again, you prove too weak and powerless to do anything. Never powerless, Geras. And never So, you wish to face off against a real orc war chief. So... C'est PNJ, par contre. Faut que Blizzard fasse quelque chose. Parce qu'ils sont tous ridicules en plein fight. Ils servent à rien. Ils sont juste là pour décorer. Faudrait qu'ils fassent quelque chose. Je sais pas, que ces PNJ aient plus d'interactions. Donc là on clean tous les ads. Et on le défonce. Alors le souci c'est que... Voilà, il va spam. Donc voilà, le petit cœur. Et la dernière phrase. Enfin, dernière phase. Voilà. Eh ben j'ai eu ma main gauche. Par contre la monture j'ai toujours pas. Bon. Eh ben ce fut un raid fort intéressant. Un peu long solo. Voilà c'est tout. Je vais cut les VOD maintenant. Ça sera fait. Donc je vous laisse sur la...